C'est assez technique comme piste. C'est pas une piste où il y a le plus de vitesse par rapport à d'autres courses dans l'hiver, mais je pense que toute la partie bosse du président jusqu'à l'entrée de la traversée, je pense que ici c'est vraiment important parce que c'est là où on va pouvoir emmener toute la vitesse pour rentrer dans ce mur final. Ich glaube, es sind gerade so zwei, drei, die wichtig sind oben beim Super-G Start, dieser Rechtsfuß. Ja, da muss man den Ansatz wirklich treffen, dass man das Tempo mitnimmt und nachher auch unten beim Weg, das ist für mich fast die wichtigste Stelle, um das ganze Tempo mitzunehmen in die Fläche. La neige va être pas si simple à skier et puis il faut changer de rythme. On rentre dans une rentrée du mur qui était une triple avant, maintenant une double. Et puis du coup, il faut changer ces deux virages vraiment à skier un peu comme dans le Super G et le dernier saut. Mais même si le tracé a changé, la clé reste la même. Si avant on passait plutôt sur la gauche, maintenant c'est sur la droite. Mais disons, la recette reste la même. On a fait des petites modifications sous le traçage, mais c'est un peu de l'évolution aussi. La piste elle permet de faire d'autres choses. Donc on voulait aussi changer un tout petit peu, suivre un peu plus la piste, mettre la vitesse où on peut mettre la vitesse. C'est aussi pour mettre un peu plus de flow dans le traçage. L'année dernière, on a eu quelques petits soucis sur le dernier saut. Donc on a essayé de le mettre l'autre côté de la piste, donc ça change aussi le traçage. Moi, la piste, j'adore. C'est vrai que ça a changé la descente. Il y a un peu moins de courbes. C'est un peu moins géant et un peu plus descente. Mais je pense que ça va aller un peu plus vite. Donc, ça ne va pas être plus facile. Et on verra. Moi, j'aime bien les conditions qu'il y a ici, normalement, avec la neige du printemps. J'adore. C'est bien. Ça fait toujours plaisir quand il y a des changements, surtout positifs. Je veux dire que cette année, les tracés de la FIS en descente sont beaucoup plus doux. Mais avoir un tracé très fluide, franchement, de mon côté, j'aime bien.